Salut à tous, les images parlent d'elles-mêmes. La soirée s'annonce belle ici, très belle. Une belle ambiance, une excellente météo. Pour vous commenter ce match, bien sûr, Hervé Matou, c'est moi, et Pierre Ménès, c'est l'autre. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UEFA Champions League. Le Bayern Munich affronte le FC Barcelone. Ouais, c'est le premier match pour ces deux équipes dans ce groupe de Champions League. Un rendez-vous qui trotte dans la tête des joueurs depuis déjà un petit moment, depuis le tirage en fait. Le club nourrit certainement de grandes ambitions dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Le problème quand on est tenant du titre, c'est pire que comme objectif, à part se fixer de faire aussi bien, on peut que faire pire. Hein. Voilà, il va falloir retrouver l'état d'esprit qui a permis à cet effectif d'aller au bout la saison dernière. Après, quand tu as déjà remporté la Ligue des Champions une fois... Retrouver la fin alors qu'on a moins faim. C'est ça, c'est le plus dur dans le foot. Serge Gnabry. Messi. Messi. Coutinho. De Jong. Ouais, bonne intervention. Attention, il y va tout seul. Là, le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Il essaye de trouver la faille. Sané. Lewandowski. Il peut le mettre. Ouais, il repousse, ça joue. Et ce sera un corner. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Le ballon, une fois de plus, qui sort en corner. En deux temps, peut-être ce corner. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le but, ils sont allés le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont mis, ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation, ça se paye cash. On revoit ce qui s'est passé sur cette action avec ce centre qui a trouvé preneur. Ensuite, la défense a beau tenter de contenir Robert Lewandowski dans ce genre de situation. Il est imbattable, l'attaquant polonais. Et c'est donc le Bayern qui prend la tête. Antoine Griezmann. Pjanic. De Jong. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Goretzka. Lewandowski. Il y a un peu d'espace par là. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Jérôme Boateng. Thomas Müller. Elle presse cette équipe. Ah, la passe en profondeur, attention. David Alaba pour la conquête du ballon. Barcelone va avoir cette touche. Coutinho. Pjanic. Allez, il faut centrer. Léo Messi, c'est contré. Il est en train de remonter le terrain. Perdu par le Barça. Cette première journée qui permet de jauger un petit peu l'état de forme des différents favoris. Oui, encore que quand t'es favori, l'important c'est d'éviter de se faire bananer en huitième. Müller. C'est bien donné dans l'espace. Il aurait dû retarder son appel. Là, le Barça qui n'est toujours pas marqué. 0-0. Ils ont du mal à se trouver, les Catalans. Thomas Müller qui poursuit son effort. Le roi Sané. Petit pied en surface. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon.
Kimmich. Goretzka. Sané. L'ouverture. Lewandowski. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Il a démarré un petit peu vite. Et la bonne récupération de Griezmann. Coutinho. Coutinho. Oh, quelle puissance dans cette frappe. Oh, c'est hallucinant. Chloé sur place, le gardien sur cette frappe lointaine. On a compris assez vite qu'il ne l'arrêterait pas. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. L'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. Qu'est-ce que vous diriez de la prestation de Lewandowski dans ces 45 premières minutes? On va dire qu'il a apporté sa pierre à l'édifice en marquant son but, mais pour l'instant, rien n'est fait au tableau d'affichage. Je pense qu'on peut compter sur lui pour chercher la faille en seconde période. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Piqué. Jordi Alba. Coutinho. Lionel Messi. Pjanic. Avec De Jong. De Jong. Il faut tourner en attendant une ouverture. Griezmann. Oh, le but. Oh, le but venu d'ailleurs. Des images qui parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment pas une frappe de poussin qui vient de faire trembler les filets. Là. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Le Bayern qui voit son adversaire prendre l'avantage. Ça n'ira pas plus loin. Serge Gnabry. Ils sont à la lutte. Messi. Oh, le but du Barça. Le but du Barça, ça fait deux buts d'avance maintenant pour les Catalans. On vient de vivre quelques minutes de folie. Le but coup sur coup, la défense prend l'eau. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Barcelone, Dino Mazzé. Lionel Messi. Ouais, mauvais passe de Müller. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Antoine Griezmann.
Gérard Piqué. Griezmann. Lionel Messi. Il résiste à la charge. La défense qui s'est bien refermée. Il y a deux joueurs qui se sont mobilisés et qui sont face à lui. Allez, continue Messi. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Le roi Sané. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Et le centre bien négocié par le gardien. Lionel Messi. Pjanic. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Se contente de faire circuler le ballon à toi, à moi, et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Et ce sera une touche. L'entraîneur qui va faire un changement. Toretka. Kimmich. Orkoman. Il a débordé la défense. Oh, c'est encore chaud. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Et l'action qui s'arrête déjà. Place là pour une contre-attaque. La défense qui est pas très en place, hein, me semble-t-il. Il cherche le premier poteau. Et le gardien, c'est pas fini. Griezmann. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Allez, il est passé par-dessus. Coman. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Oh, le super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Le corner frappé par Joshua Kimmich. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Les joueurs du Bayern qui se sont un petit peu rapprochés de la zone de vérité. Une touche à suivre. Ouais, il a le temps de centrer. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Et la tête qui passe juste au-dessus du cadre. Ouais, je sais pas, il a peut-être cru un peu trop vite. De Jong, Coutinho, avec Messi. Lionel Messi. Allez, la fin du match ici. Le premier obstacle franchi dans cette Ligue des Champions. Déjà une victoire au compteur pour cette équipe. Ouais, c'est un scénario parfait. Les trois points, c'est évidemment un bon départ dans ce groupe. Ça permet d'aborder plus sereinement la suite des événements. Et évidemment, à commencer par le match suivant, par la logique. Tiens, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le match de Léo Messi. Comment tu l'as trouvé, Pierre ? Assurément un des artisans de la victoire de son équipe avec ce but. De quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment.